Et salut les amis, bon bah aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode. Là je suis parti dans un petit lac urbain là au milieu des pavillons. On va aller voir ce que ça donne. C'est la première fois que je vais le pêcher. Je suppose qu'il y a de la carpe et on va prendre les lunettes polarisantes. On va chercher un peu tout ça, mettre quelques bonbons et commencer la pêche. Allez, c'est parti. Voilà, je viens d'arriver sur le petit lac. Je vais aller prospecter un peu les lieux. J'espère que ça va donner. J'ai mes bonbons aujourd'hui au piment. Je suis repassé au piment pour plus d'attractivité parce que l'eau se refroidit. Allez, c'est parti, on va chercher les poissons. Allez, je viens d'arriver sur le lieu. Se mettre en place. Et commencer à sortir mon matériel. Toujours rapide, je perds pas de temps, toujours ma petite canne de stalking. Et mettre quelques bonbons pour préparer le coup. J'ai analysé qu'il y avait quelques poissons aussi sur la zone. On va voir déjà si elles vont répondre sur l'amorçage. Et moi je vais poser ma canne juste à côté avec un petit stick. Aujourd'hui j'ai décidé de repasser au piment. Voilà, une petite bouillie de piment. Je trouve que quand les eaux se refroidissent, j'arrête un peu le curry et je repasse au piment. On va pêcher au piment avec deux petites bouillettes pelettes. Voilà. Simplement. On va mettre ça devant la bouche des carpes et logiquement elles vont en raffoler. Et voilà les amis, une jolie petite commune piégée en 20 minutes de pêche. Allez, on va essayer d'en refaire d'autres. Déjà dans ce parc, c'est validé. Yes. Allez, c'est validé dans ce petit parc, Park Lake. Donc on va essayer de bouger, laisser un peu la zone tranquille. On reviendra peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, on rebouge. Yes. Et voilà les amis, une deuxième petite coco. Voilà, j'ai changé de spot et je l'ai localisé, j'ai mis 2-3 bonbons. Et ça donne ça. Yes. Et on va la remettre à l'eau. Bon bah les amis, je suis très satisfait de ma partie de pêche. Petit parc inconnu. Il y a quelques poissons. J'ai roulé pour cet hiver, je me suis remis bonbons au piment.
Et j'en raffole, hein, là, j'ai fait deux touches en, même pas une heure et demie d'intervalle. Je vais faire le tour, je vais réanalyser, je vais remettre 2-3 bonbons dans chaque herbier. Et je vais tourner comme ça, voilà, je vais faire du stalking. Dès que je fais un poisson, je tourne. Comme ça, j'effraie pas les autres et je travaille d'autres spots. Allez, on va faire le tour, c'est parti. J'ai fait de belles communes. Là, j'ai ramené ma canne à coups. J'ai essayé de faire une jolie, un joli poisson avec la canne à coups à l'élastique. Je vais être un peu plus discret. J'ai remarqué qu'ici, chez moi, elles sont souvent empêchées. Du coup, au moindre impact de plomb, je perds toujours une demi-heure, trois quarts d'heure avant la touche. Donc, je vais installer mon kit tranquillement. On va positionner la canne plus discrètement. Et ça va me faire deux techniques de pêche pour cette vidéo. Et ça sera cool. Voilà. Donc, voilà. J'ai déjà la ligne montée. J'ai pas de temps à perdre. Juste la démêler. Et après, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Éclaté les après une grosse casse, ça y est, un poisson tout noir. Bon bah voilà les amis, après une belle casse, j'ai cassé je sais pas pourquoi pendant le combat. Là je remets la canne pour voir s'il y avait encore du poisson qui allait repasser. Et là je te fais un poisson tout noir, gold, non, black, incroyable, voilà. C'est ça aussi la magie de la pêche, faire deux techniques différentes, une au cou, une à la canne, et voilà, yes. Et on va la remettre à l'eau et essayer de faire le tour pour rattraper encore ces dames. Journée de fou.
leur affiche. Et voilà mes amis, troisième touche, deuxième au tapis parce que j'ai décroché une, j'ai cassé une. Du coup, impressionnant. Depuis ce matin, elles sont sur l'amorçage. Je vais essayer opposé. Là, je me suis dit, je vais essayer un peu au cou parce que vu le plomb, ça les effrayait. Et ça fait vraiment la différence. Incroyable, de jolis poissons. Et on va les remettre à l'eau. On va les grignoter quelque chose. Et on est reparti. Yes! Bon, bah, ça y est, je viens de finir de manger. J'ai réinstallé la canne à cou. Je vais essayer de finir la vidéo avec une prise. J'ai ramorcé un petit peu avant de partir. Donc, logiquement, si elles ont faim, elles sont dans le coin. 2-3 bonbons. Je vais les remettre en appétit. Il n'y a plus qu'à. Cette session s'est vraiment bien déroulée pour l'instant. Les petits bonbons au piment marchent toujours. Dans un rafale. Allez, je vais monter la canne au cou. À la traque, les poissons sont toujours sur la zone, même après une heure de repos. Et j'en ai remis, ils sont revenus. C'est vraiment fidélisé par les bonbons. Je vais essayer d'en faire une discrètement. Tout de suite, allez, c'est parti. Yes. Brème de merde. Ah putain. C'est ça que je cherche. Yes. Allez, on est bon là. Après avoir mangé un bon Big Mac, ça y est, ça peut être géré. Incroyable. Ça y est, on va finir cette journée. J'ai passé 5 heures au bord de l'eau à découvrir un nouveau lieu de pêche. Elle est magique, plein de communes. Elles sont vraiment merveilleuses. J'aurais fait deux opposés. J'avais ma canne au cou, j'avais vraiment envie parce que ici les poissons font vraiment les bordures. Des petits bonbons, trois poissons à la clé, une belle casse. Et du coup pour ceux, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Yes.